Bonjour à tous, c'est ici Cléa Sim, on se retrouve pour ce 14e épisode sur Subnautica. On s'était laissé dans le dernier épisode, ben j'avais quitté un petit peu cette forêt un petit peu étrange, enfin cette île surtout bizarre, et j'étais retourné là avec la base. Alors il faut savoir que j'ai fait le retour, que je me suis perdu en haute mer quand même, puisqu'apparemment vous voyez que l'île semble bouger par rapport déjà à l'aurora. Et bah c'est tout de suite un peu plus étrange quand on n'arrive pas à s'y repérer. Alors on peut aller voir un petit peu comment est faite l'île. Et vous allez voir qu'en fait, bah tout simplement, c'est assez bizarre. Parce que l'île en question, alors on va quand même utiliser quelques éléments pour aller voir. Vous pouvez voir qu'il y a des... Ah d'accord, il me faut une pile déjà. Est-ce qu'on peut récupérer ça? Est-ce que je peux récupérer des morceaux? Non. Apparemment non, bon on va éviter de faire mieux, mais vous voyez que elle est supportée par pas mal d'éléments qui lui permettent de flotter. Donc c'est une île mobile, déjà, donc c'est assez important. Bah forcément ça devient plus difficile quand on n'est pas son temps à la chercher. Voilà, pour un petit peu le coup. Alors on va aller se balader sur l'île et essayer de découvrir d'autres éléments. On avait vu les petits crabes qui nous font voler dans tous les sens, que j'ai exterminé un petit peu. Et on va continuer bien sûr à se balader, à trouver de nouvelles plantes, parce que ça c'est ce qui m'intéresse. Je vais pouvoir récupérer certains éléments. Tiens d'ailleurs toi, salut. J'ai pas équipé mon arme, donc on va l'équiper rapidement. Et on va se mettre avec tant qu'on peut. Allez, ça va prendre un volet. Merci d'être passé. Donc, bien sûr, moi je vais essayer de récupérer des graines, si possible, d'éléments, puisque moi, mon intérêt, bah, c'est de voir un petit peu tout ce que l'on a, puis pouvoir les ramener à la base. Alors j'ai ramené les graines que je pouvais déjà, c'est pas mal. J'ai fait, bon alors là quand je suis revenu, en fait j'avais pas enregistré ici, j'avais enregistré à côté de la base où on était. Et vous voyez qu'on va pouvoir se balader un petit peu et essayer de trouver d'autres éléments. Alors, excusez-moi. Il va falloir bien évidemment que je prenne que je suive les chemins qui sont tracés. Donc on en a un par ici. Tiens, c'est quoi ça? Oh, on a du lithium sur cette île. C'est plutôt intéressant ça. C'est quoi ça? Il y a une capsule ici. Fragment de pont de cyclope. Ah, je viens de déverrouiller le pont de cyclope. À quoi ça correspond le pont de Cyclope? Ben, on va pouvoir regarder autrement, pardon. Pour le coup, on va s'enlever le Seamoth. Le Seaglide, pardon. Et on va mettre donc ça en constructeur d'habitat. Et on va regarder un peu ce que l'on peut obtenir. Le pont de Seamoth, est-ce que l'on a ça de disponible? De filtration, mur vivant, pas vraiment. Alors les murs vivants, hein, je rappelle, c'est ce qu'on avait trouvé. Ça, c'est très bien. On avait vu le mur vivant. Est-ce que je peux récupérer des graines? Oui, graines de fleurs roses. Ah ben j'en avais déjà des graines de fleurs roses. On va les poser les graines de fleurs roses. Hein, j'en ai déjà plusieurs. C'est vrai que j'en ai pas spécialement besoin. Champignons roses, est-ce que j'ai ça? On peut les ramasser? On va en ramasser un petit peu. Champignon hochet violet, est-ce que j'ai ça? Non, je n'avais pas. Ok, c'est entré dans l'encyclopédie. On va en récupérer aussi un petit peu. Très bien. Alors, je vais voir si je peux y manger, sait-on jamais, hein. Ça pourrait faire de la nourriture que l'on pourrait récupérer. Bon, on va pas trop s'éloigner pour l'instant, on va suivre le chemin un petit peu. Il partait vers où le chemin d'ailleurs? Parce que je me suis bien éloigné, mais... Ah, il partait vers là-haut. Oh, zut. Bon, alors, on va se balader, hein. De toute façon, on va découvrir un peu ce coin. On est un peu en sécurité, on sait qu'on peut manger. Il y avait des fruits la dernière fois. Donc ça peut être toujours assez intéressant pour nous. D'ailleurs, les plantes violettes, est-ce que j'ai ça? Arbre bulbe. Écorce d'arbre bulbe, plante à vase violette. Ok, la route a l'air de continuer par là-bas. Je fais un peu le tour, hein, sincèrement. On va aller voir un petit peu les différents coins. Tiens, ce champignon, est-ce qu'on l'avait? Alors, je suis désolé, hein, je regarde un petit peu tout ce qu'il y a autour de moi.
pour pouvoir augmenter mes réserves et savoir un petit peu ce que je pourrais emmener dans ma base ou non. Mais on a des choses assez intéressantes hein, par ici que l'on a pu récolter ou non. Alors c'est vrai que quand on le fait en plusieurs fois, c'est un peu plus gênant. Ok. Oh, du lithium encore. Ça m'intéresse beaucoup. Puisque ça, on en aura besoin pour renforcer notre navire. Enfin, notre. Okay, bon, on va peut-être pas aller par ici. Il y avait des bases qui étaient en hauteur. On avait vu des constructions, notamment celle-là là-haut. Je vais aller voir un petit peu ce que c'est. Champignons orange. On en a pris ça des. Inventaire plein. On va peut-être lâcher. Ça, je crois que j'avais déjà. Ok. Un spore de champignons orange qui me permettra de le mettre. Alors, on va aller se balader un petit peu. Champignons violets, champignons mousse, je crois que j'en ai. Ça va. Est-ce qu'on peut passer par là-haut? On va suivre un peu les routes, ce qui est plutôt pas mal. On pourrait passer par là-haut pour monter, ce serait intéressant. Est-ce qu'on peut aller par là-haut? Apparemment oui, hein. Il suffit de trouver les chemins pour passer. Il y a l'air d'y avoir une caverne par là-bas. Peut-être qu'on ira la voir, cette caverne. En tout cas, on a des chemins. Alors, on est par ici. Très bien, on va pouvoir grimper, hein, voir un petit peu. Alors bien sûr, tout ne se charge pas. Hein. Pour l'instant, le jeu n'est pas complètement optimisé. Je rappelle qu'il est toujours en alpha, que des nouveautés sont à prévoir également. Alors on peut aller de là-haut ou de là, on va passer de ce côté-ci. Pour le moment, on va aller observer si on peut avoir différentes choses nouvelles. Ah, le chemin est un peu ardu quand même hein, pour y aller. Allez, allez, avance. Bien, bien, bien. Allez, c'est pas évident du tout d'aller là-haut. Bien, alors, une base se trouve ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut obtenir? C'est quoi ça là-haut? On avait vu les projecteurs, ça c'est pas mal. On va pouvoir rentrer là-dedans. Ça, on continue. On va avoir une bouteille d'eau. Très bien. Alors, un fragment d'observatoire, qu'est-ce que c'est? Observatoire déverrouillé, palmier à fougères. D'accord. Fragment bac à culture d'intérieur. Ça, c'est pas mal parce que ça va nous permettre de pouvoir cultiver chez nous tranquillement. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc, on récupère des choses assez intéressantes. Ok. On va prendre un petit échantillon de palmier fougère. On a quelques. Ah, bah, c'est vrai que c'est un inventaire plein. C'est pas évident, ça demande beaucoup de choses. Spore à hochet violet. Ça, je vais la déposer. C'est-à-dire que je pourrais prendre au moins une graine. Ah, mince. La graine et la manger. Ça, on l'avait pris, hein, cet arbre-là. Mais c'est clair qu'on pourrait avoir des choses assez intéressantes. Vous voyez qu'on peut quand même cultiver beaucoup de choses dedans, donc ça pourrait être intéressant pour nous pour ramasser des objets. Je pense qu'on a dû faire le tour ici, mais il va falloir aller voir la deuxième pour le coup. Au moins on a récupéré ceci qui pourra se rajouter au vaisseau. Alors ça a l'air d'être un élément tout en verre dans lequel on peut tout simplement voir tout ce qu'il y a autour, donc qu'il soit en intérieur ou en extérieur. Ici ils sont en extérieur, pourquoi pas. On va passer en face, voyager un petit peu. On continue, hein, toujours de se balader. On a l'aurora en vue, c'est très bien. Est-ce qu'on peut aller de là-bas? Ouais. Ah! Faire attention de ne pas tomber, de regarder qu'on a bien tout pris. Parce que je vais certainement revenir ici, hein, pour récupérer certaines plantes ou autres. Mais c'est vrai que moins je le fais, mieux je me porte. Bon, faut voir par où on peut passer pour aller à l'autre, hein, voir s'il y a des choses intéressantes dedans que l'on pourrait récupérer, bien évidemment. On peut monter par là. Très bien. Profitons-en. Pour l'instant, ici, alors on pourrait peut-être faire une base
Oh, je suis tombé. Alors ça c'est un peu gênant. Par contre, parce qu'il faut se diriger à la souris et il faut pouvoir sauter aussi. Et j'ai pas mis ma touche de saut proche de cet élément-là, donc ça m'embête un petit peu. Je dois faire un peu de gymnastique, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. On va pouvoir s'organiser. Il y a des oiseaux également, hein, apparemment. Alors. Ok, le saut, c'est bon. On passe dans une petite grotte ici, très bien. On va pouvoir continuer l'ascension. Alors, faut faire attention de pas tomber. Ouais, ils sont beaux, les champignons roses. Mais après, je vais essayer, ouais, de cultiver un petit peu toutes les plantes qui sont ici, pour dire de voir un petit peu, parce qu'elles pourraient peut-être nous servir, hein. J'avais vu qu'on avait besoin, par exemple, d'éléments fongiques. Et normalement, tout ce qui est fongique, c'est champignons. Allez, hop là, on a pu grimper là-haut. On a pot de fleurs 2, donc ça c'est intéressant, ça nous permettra de récupérer, de mettre des fleurs dedans, ce qui pourrait être tout à fait intéressant. Ok, est-ce que je connais cette plante? Ramasser légumes violets. Et petit melon marbré. Qu'est-ce qu'on pourrait lâcher ça? On va y boire de toute façon. Je sais plus ce que j'ai pris, hein. Les graines, j'aimerais bien les garder. En tout cas, vous voyez qu'il y a les petits melons marbrés qui pourraient être intéressants. Bon, ça, on connaissait déjà. Très bien. Je crois qu'on a dû faire à peu près le tour de tout. Alors, les petits melons, je crois qu'on peut les manger pour le coup. Par contre, voilà, ça va être un peu compliqué. Alors. Ah, bah, elle est là, notre fameuse base. On s'est quand même sacrément baladé pour le coup. Ok, est-ce qu'il y avait des choses intéressantes par ici? Je sais plus du tout. On va pouvoir passer. J'ai l'impression que je pouvais scanner quelque chose par ici. Alors, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être récupérées, qui peuvent être plantées peut-être. C'est assez intéressant. Vraiment, moi je m'amuse beaucoup à balader par ici. Peut-être qu'on fera une base de ce côté-ci. Je sais pas si on peut. Ça serait intéressant de pouvoir démonter, par exemple, les bases existantes et de pouvoir réutiliser le métal et fabriquer sur cette île. Parce que finalement ici, on pourrait faire de la culture, on pourrait faire pas mal de choses, décorer, etc. Il y a moyen de réaliser des choses intéressantes. Par contre, faut bien avouer qu'on s'y perd assez facilement. Elle est vraiment assez grande. Je sais même pas par où je monte, ce que je fais. Ah si, je suis déjà passé. Bon, très bien. On va se rendre vers le point de l'île qui nous permet de sauter plus facilement vers notre base sous-marine. Peut-être qu'on fera une base, hein, remarquez. Ah tiens! Donc il y avait d'autres bacs ici, des légumes violets, des petits melons marbrés. C'est quoi cette plante? On peut en prendre des bouts là? Inventaire plant, marble melon seed. Ah, c'est bon ça. Donc on a pas mal de plantes. Je suis plutôt content de moi en fait au final, puisqu'on récupère pas mal de choses qu'on va pouvoir aller planter. Alors je vais vous montrer un peu le retour, parce que je dois bien avouer qu'il est pas évident du tout. Là-bas, ça semble plus proche que mon vaisseau, que le Simoff. Bon, on va se jeter dans la mer. Ça va être assez risqué, on va dire. J'ai plus beaucoup de piles, je crois, donc il va falloir faire avec. On va se lancer et puis on va y aller à fond. Alors, je vais éviter de trop plonger parce que si je vais, je connais pas les profondeurs à cet endroit-là. Et suivant ce qu'il y a en bas, je risque de me faire bouffer rapidement, surtout la nuit, hein, quand les carnivores sortent. Donc ça fait du monde, faut bien avouer. Alors, faut se rappeler que quand on part pour aller sur cette île, il faut que on ait les moteurs qui restent. Donc quand on va repartir, ils sont sur notre gauche. Actuellement, là, ils sont sur notre droite. Je veux pas savoir ce qu'il y a en dessous, très sincèrement. Ne serait-ce parce que je suis très très loin de la base et que il va falloir voir ce qui est possible de réaliser ou non. Ça aussi c'est intéressant. On a vu qu'on pouvait faire le pont du Simoff, c'est très bien. Mais à mon avis, ça veut dire qu'on peut pas fabriquer entièrement le Simoff.
Il va falloir aller au moins à notre base le plus vite possible. Alors notre base se trouve près du Simos. Simos pour l'instant. Ouais, Simos. Non, c'est Cyclope qu'il faut qu'on construise. Pardon, le Simos, on l'a déjà. Alors, vous voyez, ma base a quand même pas mal. Enfin, mon pod a pas mal bougé. Il est pas vraiment à des endroits que je connais. Et la dernière fois, j'ai quand même usé deux piles hein, pour retrouver. Alors, les trucs que vous voyez ici, c'est ce qui était autour des rochers, qui permet en fait aux rochers de flotter. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, quand il y a des algues, généralement, c'est qu'on n'est pas très loin d'éléments d'orine. Ok. Je sais pas du tout où on se trouve. Très sincèrement, et ça me rassure pas des masses. Alors. Ça serait notre constructeur de vaisseau. On serait revenu notre. Enfin, ma base, moi, a plusieurs fois bougé, hein, ce qui m'a assez étonné d'ailleurs. Mais ça veut dire qu'on serait revenu proche. Où est ma base? Ok. Oula, oula. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut fabriquer? Que le Simos. On n'a pas tout ce qu'il faut. Et là, j'ai ma base. C'est bon. D'accord, donc en fait, mon pod est revenu près de ma base. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, on va pouvoir se diriger de ce côté-ci. Parce que dans l'épisode précédent, hein, ma base, mon pod était par là-bas au fond. Hein, donc il a bougé. Hein. C'est pas très très grave, mais c'est assez étonnant, faut bien l'avouer. Donc on va voir un petit peu ce que j'ai pu récolter. Donc j'ai des écorces d'arbre à bulbe. Membrane Tree Seed, donc ça j'en ai plusieurs. Ah oui, j'ai beaucoup de choses, mais il va falloir pouvoir les stocker. Le temps qu'on fabrique un petit peu. Ah, j'en avais ici, ça j'en avais déjà. Bon, on en fera plusieurs, c'est pas très grave. Ok, ça c'est pas mal. Est-ce que je peux récupérer. Ah, j'ai plus de titane. Ou très très peu. Alors on va courir chercher un peu de titane, on va faire un peu d'aménagement, hein. On va en profiter tout simplement. Maintenant que mon pod est revenu par ici. Voyez que non, au tout début on est d'accord, hein. Il était juste au-dessus de notre élément qu'on avait posé au sol, qui est ici, hein. Il était juste là au-dessus. Donc vous voyez qu'il est là-bas. En fait, notre pod se déplace bien souvent. Donc on a bien fait de noter où était notre base. Parce qu'il faut bien avouer que j'ai tendance à m'y perdre, à le chercher tout le temps. Ce qui est assez gênant. Maintenant, il va falloir que je parte à la recherche. Allez, on va s'avancer, voilà. De ceci. J'en avoir assez besoin quand même. Salut toi. En terre plein. Oh, déjà. Bon, on va retourner, on va commencer à fabriquer pour déposer un petit peu ce que l'on a sur nous. Ça va être assez important, je pense. Et après, on ira fabriquer une combinaison qui est assez particulière, c'est-à-dire la combinaison anti-radiation. Puisqu'il faut bien avouer qu'on n'a pas besoin de celle qui nous fournit de l'eau pour le moment. En tout cas, c'est pas la priorité immédiate. Bien. Alors, on va aller voir aussi un petit peu les améliorations. Alors, vous voyez que j'ai un peu décoré l'espace ici. On va pouvoir ajouter d'ailleurs quelques pots de fleurs, je pense. Ça pourrait être sympathique. Allez, on va commencer par quelques petits pots de fleurs. Notamment mettre des spores de hochets, des spores de champignons roses. Ça m'intéresse assez. Alors c'est que de la décoration, hein, c'est pas grand-chose, mais ça nous permet au moins d'avoir. Tiens, ça demande que du verre émaillé. On essaiera d'en faire. On sait comment faire le verre émaillé. Hein, faut juste récupérer des bacs à fleurs. Ici, ce sera très bien. Ah, on peut mettre plusieurs fleurs, c'est pas mal ça.
On va mettre les petits champignons ici, très bien. Ok, et là on va mettre champignons orange. Très bien. Très très bien ça, au moins ça va pousser tranquillement. D'ailleurs, est-ce qu'on avait d'autres petites plantes qui prennent pas trop de place par hasard? Marble melon seed, ça c'est petit, et graines de fleurs roses, on va la mettre. Vieux légumes violets. Ok. Bien, bien, bien. On va pouvoir monter et regarder ici ce que l'on peut mettre de plus. Puisqu'on peut mettre plusieurs plantes. Alors, on va mettre la graine de fleur rose. Le marbre melon. On va voir un petit peu ce que l'on peut obtenir à partir de ça. Ça pourrait être sympathique. On va partir. Donc, vous voyez, hein, c'est plutôt sympathique. On a des murs végétaux qu'on peut démonter, bien évidemment. Et ça décore. C'est plutôt sympathique. Bon, il y a encore quelques bugs, hein, d'affichage. J'ai pas mis de partout tout ce que je voulais. Bien sûr, c'est le temps que ça augmente. Salut les gars. Alors, est-ce qu'il y en a plusieurs qui se sont reproduits? Apparemment, l'aquarium n'est pas assez grand pour qu'ils puissent se reproduire. Donc, on verra. Je verrai comment je me débrouille de ce côté-ci. Aussi bien, je déménagerai tout de ce côté-là. Parce que là, vous voyez que, par contre, les yeux se sont sacrément développés. Hein. Ils sont pas beaucoup embêtés. Donc, ça pourrait être l'occasion. Là pour le coup, est-ce qu'on pourrait pas plutôt en profiter pour mettre un petit peu nos bacs d'intérieur? Notamment puisque là j'ai pas vraiment augmenté, mais on peut utiliser l'espace pour. Allez hop, on va poser donc le. Voilà, on va un arbre à fruits suspendus, ça c'est très bien. Graines de palmier fougère, ça c'est pour décorer. Et semences de plantes à vase violette. Ok, donc on aura au moins, je pense, un fruit et légumes. On va voir si on peut en avoir d'autres, si on peut en poser d'autres, où on pourrait obtenir. Tiens, ça pousse quand même relativement vite, hein. Voir si on peut en mettre d'autres qui rapporteraient. Arbre bulbe, ça c'est dans l'eau, et ça c'est graines de fleurs roses. Oui. Très bien, on a encore un peu de champignons. On a notre rôdeur, hein, vous voyez que j'en ai posé ici. Ça c'est un œuf de rôdeur. D'accord, oui, d'accord, les grossissent ici, et ça, pour l'instant, c'est pas identifié, parce qu'on sait pas, on n'a pas vu les œufs éclore, hein, tout simplement. Pour échantillon de bulbe, bah ça, on va le prendre, et on va aller le mettre, tout simplement, là-haut. Ce qui nous décorera un petit peu cet espace-là, bien sûr, je mettrai des vitres, tout autour. Voilà, comme ça, j'ai toutes mes plantes qui sont plantées, et on pourra ajouter quelques pots de fleurs. Vous voyez, il y a vraiment de quoi décorer. Maintenant, il va falloir me récupérer, par contre, pas mal de verre. Ça va être assez important. Là, je pense que ça va plutôt être, pour le coup, du titane. Pour décorer un petit peu. Et je les enlèverai si j'ai besoin de mettre du lithium pour renforcer la base. Donc, vous voyez que on a quand même pas mal de possibilités de décorer. Le bac extérieur, je pourrais tout à fait le mettre. Mettons, si j'ai besoin de faire une culture ici, notamment de vignes d'orine, par exemple, si j'en ai pas assez, je peux tout à fait en faire une culture à l'extérieur. Ça peut être assez intéressant. Mettre des champignons, pourquoi pas. On va voir même si c'est possible de le réaliser comme ça. Parce que franchement, cultiver les champignons proches de chez moi, ça pourrait être assez intéressant. Donc on va les récupérer, maintenant qu'on a un peu de place. Alors, est-ce qu'on peut trouver par ici? Je crois qu'il y avait des. Voilà, des carcasses de métal. Ça me va très bien. Est-ce que j'ai d'autres éléments par ici? Et après, on va aller fabriquer. Ma combinaison, puis on se laissera là pour cet épisode. Ça c'est important puisqu'il va m'en falloir rapidement. Il y a les Michel là-bas. Et on va pouvoir faire les dernières choses rapidement. Ok. Allez, c'est parti.
Et pour tout vous dire, je ne sais pas du tout ce qu'on fera dans le prochain épisode. Je vais voir un petit peu. Parce que là, on a fait un peu de décoration. Bon, on a visité des choses. Hein. Maintenant, il va falloir que je trouve d'autres. On va certainement refaire un peu d'exploration. Peut-être dans la grotte, qui sait. Le problème, c'est que j'ai plus mon Simoff. Donc, j'attends toujours si quelqu'un a une solution pour pouvoir lui redonner de l'énergie. Parce que j'avoue que là, je suis assez embêté. Je peux pas l'utiliser. Et ça me pose un problème assez important. À moins de devoir en reconstruire un, ce dont je n'ai pas spécialement envie. Bon, s'il faut le reconstruire, je le reconstruirai. Mais je dois bien avouer que ça me pose un petit problème. Parce qu'il faudra aller rechercher de l'or, notamment. Bon, j'ai de l'or, hein, c'est pas un problème, mais. Plante à pétales, ah, décomposition, légumes violets, ça, faudrait que je l'utilise, ça, par contre. J'ai du lithium, ça, c'est très bien. Qu'est-ce que je voulais faire? Je vais récupérer ça pour la suite. Parce que je sais plus ce qu'il me faut exactement, mais je crois que j'ai tout. Mais on va fabriquer juste ici notre bac d'extérieur, qui est beaucoup plus grand. Très sincèrement, c'est pas mal ça. Il est vraiment, vraiment beaucoup plus grand. Et on va pouvoir cultiver des éléments. Donc on va en profiter. Et pour l'instant, on peut rien mettre. Est-ce que j'ai pas une graine d'orin qui pourrait traîner par ici? Bien gentiment. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas tout saisi là. Mais bien. Bon, j'ai l'air. Ah oui, j'ai l'inventaire plein, pardon. Ça aide pas beaucoup. Et donc, en fait, c'est pour cultiver tout ce qu'il y a dans la mer, hein, tout simplement. Donc, ça peut être assez sympathique. Et vous pouvez tout à fait mettre ce genre de choses ici, voilà. Ce qui fait qu'on aura une plante, vous voyez, qui a déjà quelques petites graines déjà qui poussent gentiment. Mon pauvre Simoff, là, qui peut rien faire du tout. Ouais, t'en fais pas, on va avoir de l'oxygène. Et donc, on va en profiter pour construire maintenant ma combinaison. Donc, combinaison anti-radiation, voilà, des mailles de fibre et des plaques de plomb vont m'être assez utiles. Bien. Donc, j'ai un casque, un gant anti-radiation. Vous voyez que maintenant, je suis équipé de tous les éléments. Il faudra rajouter d'autres éléments. Donc là, par contre, je vais aller stocker mes composés nécessaires. Ça, par contre, je vais le poser ici parce que j'en avoir vraiment besoin, je pense. Le reste, je vais le garder sur moi. Et on m'avait dit, par contre, autre fait important, d'utiliser le générateur de courant et que je pouvais, semble-t-il, le poser, mettons, par ici. Donc, que je pouvais le poser en extérieur. Alors ça m'étonne parce que moi je peux pas lui donner. Est-ce que je peux le déposer ici? D'accord, ça sert à ça. Ah oui, d'accord. Et puis ça propulse quand même assez bien pour le coup. Donc ça peut être intéressant, je pense, pour repousser peut-être des ennemis. D'accord. Ah oui. Ah, je pensais pas que c'était de cette puissance-là, pour le coup. Alors, est-ce que ça serait utile, mettons, pour repousser le sable? Mince. On va essayer, hein. Et on s'arrêtera là pour cet épisode. Non, ça a pas l'air. D'accord, bon. Bah au moins on voit qu'on peut créer, générer du courant, ce qui est plutôt intéressant. Bon, pourquoi pas. Donc sur ce, je vais m'arrêter là pour cet épisode. Moi je vous remercie bien évidemment de l'avoir regardé. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo également si ben, vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Et on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!